putain, il pète bien quand même déjà au démarrage. Bon, prise en main, test. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'avais coupé la musique pourtant. Eh hey mec, t'entends ça? Relax, ils sont super loin. Ouais mais je suis en conditionnel, je me casse. Enfin un jeu où il parle français, c'est bien. Mon vieux. Eh tiens, il faut absolument que tu viennes mec. Il y aura les meilleurs et je te présenterai à mon pote Travis. Il a plusieurs caisses à refourguer mec, je te jure. Ce sera l'occasion de passer à une autre catégorie. Eh hey, moi c'est Spike, on se voit là-bas, d'accord? Pas de problème, on se voit là-bas gars. Ça fait racaille ton BM par contre là. Ok, retrouver Snake au club. Y'a pas de problème, j'espère qu'il y a de la meuf. C'est quoi ce Ford? Yo, c'est Spike. Je pensais te trouver sur Bla. Écoute, c'est la folie ce soir, je te jure, il y a du beau monde à Ventura Bay. Alors, viens vite, mais fais attention. L'endroit est pas facile à trouver, si tu vois ce que je veux dire. Viens, je t'envoie le lien, tu regarderas ta carte, ok? À toutes. Pas de nitro, ok. Wouah, putain, le virage est gauche. Puis j'ai même pas eu de frein à main encore. Ah oui, je vais me faire plaisir, gars. Wesh, y'a le vigile, ils vont me laisser entrer. Ouais, je veux la Ford Mustang là. Putain, l'image c'est quand même bien fait. Net for speed. Ouais, tu m'as dit de venir. Il y a du beau monde ce soir. Il y a de la meuf. Je vais te présenter ma bande. Allez, viens. Ah ouais. Ah, regardez qui voilà. Tu me présentes pas? Eh, hey, ce mec vient de drifter sur 150 mètres sur une bretelle de l'I5 à hauteur de Turner. Ouais, t'es avec une main. Oh, il en a laissé de la gomme, crois-moi. Ça devait envoyer. La dernière fois que Spike était autant à fond, c'était... Ah bah non, il est toujours comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Robin. Essaie d'être à la hauteur. T'en fais pas pour lui, c'est un... Ouais, donne ton 06. Justement, je l'emmène voir Travis. Je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser. Allez, suis-moi. J'aurais plutôt bougé elle, moi. Salut, Amy. Oula, la tête sous le capot, c'est impeccable. Mignonne, non? Ouais, moi aussi, je t'aime. Travis? J'ai quelqu'un à te présenter. Ah ouais? Et pourquoi? Oh mec, il faut... J'ai besoin d'une caisse. Il a un super coup de volant. Bon. T'as l'air d'avoir tapé dans l'œil de Mister Rodeo. Carrément. C'est un bon, crois-moi. Tu te pointes au bon moment, toi. Y'a de super pilotes en ville qui ont envie de marquer l'histoire. T'as un sacré bol, mon vieux. Les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour démarrer un projet.
Putain, on s'y croirait presque. Quelque chose dans le ventre, comme il dit. Je te conseille de leur montrer ce que tu veux. Ouais, qu'est-ce que t'as comme caisse à me proposer? Mets la misère à un de ces guignols. Peut-être que quelqu'un te remarquera, qui sait. Une Honda Ford Mustang de... Non, c'est... Ouais, Ford Mustang 1990. Honda Civic. J'aime pas trop la Honda. Celle-là, c'est celle que tout le monde prend. Et moi, franchement, je la kiffe, la Ford. Pas faire comme tout le monde, on va prendre celle-là. Attends, je vais faire un truc... Non, je voudrais voir si on peut la tourner ou pas la voiture. Non, on peut juste la choisir, d'accord. Allez, je la prends. Vendu, gars. Tiens, je dois avoir un peu de cash, un peu de monnaie. Yo! Bien vu dans le clan, oh. Tiens. Ouais, attends. C'est mortel, hein. Allez, Amy, viens juste les... Ouais, mais il y a un moteur dedans ou pas? Et dis-moi si elle ronronne normalement. Oh. Salut, mec. S'il te plaît, je l'ai garé juste devant. Allez, s'il te plaît. Spike, tu sais, j'ai des clients. Qui paie des fortunes pour ça, donc... Tu me la joues comme ça, hein? Ouais, c'est comme ça. Attends. Tiens. Waouh! Alors là, je me sens beaucoup mieux. Je paie toujours, tu sais bien. C'est ton père qui paie toujours, ouais. Arrête, c'est un cuir à plus de 1000 boules. C'est bien ce que je disais. Tu m'as mis de la graisse. Même au meilleur... Tu vas te la mettre sur le bras, ça va? Elle fait pas de cadeaux. Sa philosophie... C'est que c'est pas la peine d'essayer si t'as pas de blé. C'est très poétique. En même temps, c'est la vérité, donc... Apprends. Alors, combien? Alors, t'es prêt pour nos rendez-vous? Allez, suis-moi. On a pas mal de monde à te présenter, mon pote. Voilà, quand est-ce que je conduis la caisse? Ouais, je vais faire du drift en dehors des épreuves. Rendez-vous, faites la course. Ok les gars, les autres nous attendent. Alors on s'y met. Putain, je sais même pas où il freine. Hein. Ok, j'ai trouvé, je crois. Tu connais la technique du poteau? Je crois que ça tourne à un moment là. Non, ça passe. Lâche-moi toi, vas-y, il va te planter dans un mur, fais pas chier. C'est de l'arcade que je fais là. Casse-toi toi. C'est quoi ces voitures pourries que j'ai là? Hey, t'as survécu à deux courses contre Spike alors? Je t'ai sous-estimé on dirait. Bah mais j'ai pas gagné hein. Tu rigoles, c'est Spike qui avait du mal à suivre. Ah, excuse-moi. Il avait pas du mal à suivre, il était complètement largué. Ça te fait plaisir. Ah, Emmanuel. Ouais mais les gars, vous avez fumé la moquette, hein, faut et arrêter. Hein. Vous avez respiré trop de vapeur d'essence. Mais qui a osé? Salut les filles. Bah alors, et moi mec? Allez. Ah, le problème c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau. Ils sont homo là-dedans ou quoi? Allez, viens là mon grand, viens faire un câlin. Je te fie pas aux apparences, mec. Il est super vif derrière un volant. Moi, c'est Emmanuel. Mais ça fait encore trop de syllabes pour ces andouilles. Appelle-moi Manu. Oh, belle poigne. Eh, hey, lui, c'est Fred, le marteau norvégien. Salut, mec. Frédéric. Bon, on va arsouiller en ville ou on reste ici, à Chambre Spike? Moi, je dis les deux. Excellent. On va manger un bout. J'ai pas assez mangé ce soir. Perso, j'ai trop la dalle. Sérieux, à quoi ça rime? Tu manges trop et Manu, rien. Ouais, Robin, à ce rythme-là, tu vas nous flinguer tes amortisseurs. On va surtout choper un gros cul. Le dernier arrivé fait l'addition. Non, non, le dernier arrivé invite tout le monde. Hé,
Ouais, mais alors, faut que j'arrive premier. Est-ce que la vidéo sera assez longue? Je crois que j'ai le temps de prendre des photos, moi. Prépare tes billets, Spike. Ouais, Spike. Je vais m'envoyer le plus énorme des burgers. Mauvaise idée, Lena. Bizarre, il gueule pas quand tu le rentres dedans. Merde, je crois que ça va assez. Je suis pas dernier. Eh les gars, vous prenez rien à plus de 5 dollars. C'est un resto. 5 dollars, c'est le minimum. Et pas de dessert, mec. Je suis pressé de faire une course ce soir. J'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre. Oh, pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as gagné ? Tu rigoles ? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Moi, je vais rentrer à l'atelier. Tu veux venir voir? Je te ferai un petit peu de place, si tu veux. Oh, j'ai cru que t'allais faire autre chose. Toi, vieux. T'es jaloux, Spikey? Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90. Vous avez vu Travis, ce soir? Ouais, il devait voir quelqu'un. Ah, tu peux pas, Test. Magnus Walker est de passage. Je l'ai vu discuter avec Travis en boîte. Oh, c'est pour ça que Spike est pressé. Il a un rendez-vous. Avec le destin, mon vieux. Ce soir, ça va chauffer. Eh, hey, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre, ok? Ouais, mec. No problem. Et voilà pour la première vidéo de la prise en main. Classe ma voiture, hein. Bon, j'aurais peut-être dû choisir l'autre, mais bon. Et klaxon a coupé le moteur. C'est Amy. J'ai oublié de te dire, ta caisse faisait un sale bruit tout à l'heure. Non, non, elle roulait bien. Ouais, c'était peut-être celle de Spike. Bon, je suis à l'atelier. Viens réparer ta caisse si tu veux. A plus. Et voilà un trophée. Bon, ben voilà pour la première vidéo.